à tous les amis et bienvenue chez le bon Urenaut pour un nouveau Retro Gaming à Papa. Ravi de vous retrouver pour notre petit rendez-vous rétro. Et c'est peu dire, car aujourd'hui je vous propose de redécouvrir Turbo, sorti chez Sega en 1980, donc ça date pas d'hier. Alors, vous savez, j'adore tous ces racers arcade, mais là on revient vraiment aux sources, car ce Turbo est la suite du splendide Monaco GP 79, dont je vous avais présenté le remake sur la chaîne il y a quelques temps. Nous allons donc mettre un crédit pour nous plonger dans cette course en 1980 et puis découvrir les innovations depuis Monaco GP 79, car oui, Sega se devait d'innover devant son concurrent direct qui était pole position d'Atari, qui avait dû sortir à peu près la même année. Allez, c'est parti, on met un crédit. On en met deux, tiens, soyons fous. Allez, c'est parti, feu vert. Donc, vous constatez déjà... Première critique sur le jeu, j'en ferai pas beaucoup, je ferai peut-être que celle-là. Voilà ma première critique, on constate tout de suite par rapport à Monaco GP, parce que ce jeu est la suite, donc faudra quand même le comparer à deux ans avant à Monaco GP. Eh bien dans ce Turbo, tout de suite, on découvre qu'on joue avec des Formules 1, donc c'est un petit peu dommage. On aurait préféré avoir des petits bolides, des petites voitures de sport dessinées un peu différentes, de différentes couleurs. Bon, là, on a des Formule 1, c'est pas très très grave. Mais enfin, bon, voilà, première critique. La plus grosse différence par rapport à l'innovation, par rapport à Monaco GP, se fera dans le moteur graphique, hein, puisque la PCB était quand même un petit peu plus puissante. Elle était sur 3 étages. Donc ça nous permettait quand même d'avoir cette fois-ci plus une route en 2D en vue de dessus, toute plate, mais d'avoir cette caméra un petit peu à la pole position, très immersive derrière la Formule 1, et puis d'avoir surtout cet effet de perspective prononcé vers l'horizon, voilà, ce qui nous donne aussi tout ce sprite scaling sur le côté de la route, vous voyez un joli tunnel. Donc voilà, on a des arbres qui défilent, des buildings, voilà, ce qui nous permet de voir un petit peu les différents décors urbains, voilà, la campagne, puis des tunnels, voilà, plein de couchers de soleil, vous verrez, il y a plusieurs décors. Donc là, je viens de passer les 31 voitures, c'est un peu le but du jeu dans ce Turbo. Eh bien, c'est de dépasser 30 concurrents. On peut se crasher autant qu'on veut dans le premier round. Si on arrive à le passer, on peut se crasher autant qu'on veut. On reviendra en bas de l'écran. Le but, c'est vraiment dans le temps imparti, c'est-à-dire 99 secondes, je crois. Enfin, c'est comme ça que ça a été réglé dans les Deep Switch. Voilà, dépasser plus de 30 véhicules pour pouvoir espérer voir le deuxième round. Et là, ça va changer d'un ton. Puisque dans le deuxième round, il faudra faire très attention, parce que là, voilà, si on se crache, on disparaît dans une gerbe de fumée. Et puis voilà, va falloir gagner des vies, des Formule 1. Donc là, on en a qu'une. J'ai pas encore gagné de chance supplémentaire. Donc voilà, là, si on se crache, voilà, là, c'est terminé, c'est le game over. Voilà, donc là, on va voir, je vais pouvoir mettre mon nom. Donc voilà le but du jeu dans ce premier round de Turbo. Voilà, on pouvait passer le premier round assez facilement, hein, si on était assez agile. Parce que le jeu était quand même assez précis, hein, avec ce volant qui tournait dans tous les sens et son shifter. Ces deux vitesses, ça permettait quand même de s'amuser, hein. Le jeu était très, très fluide, très addictif. Bien sûr, comme dans Monaco GP, on retrouve l'affichage LED à gauche, voilà, un petit peu, ça fait vraiment penser à ces vieux flippers. Je trouve ça vraiment très très classe. Donc voilà, c'est vrai que le jeu, même les bornes, esthétiquement, ressemblaient quand même à Monaco GP, mais le moteur a été quand même beaucoup plus puissant. Cette PCB qui tournait, malgré son modeste processeur Z80, qui était cadencé à 4,9 MHz, voilà, ça permettait quand même de faire du sprite scaling, de scinder la route en deux pour donner un effet dénivelé à la route. Allez, on va se refaire une petite course parce que j'ai pas été très très loin dans ce deuxième round. Voilà, on passe à la deuxième vitesse. Voilà, donc ce racer, on le doit, la programmation, on la doit au brave à Steve Hanawa, voilà, qui s'est chargé de coder le jeu, puis qui s'est surtout, selon la légende, selon l'anecdote, qui s'est surtout arraché les cheveux pour arriver à la fin du jeu, arriver à le coder complètement. Il a eu pas mal de soucis techniques pour arriver à ce résultat, à tel point qu'il a fini à l'hôpital, hein. Je crois qu'il a, après, juste avant la sortie du jeu, il nous a fait un burn-out, donc il s'est retrouvé un mois à l'hosto, bichette.
Bon, j'espère qu'il s'en est remis depuis 80, hein, oui, je pense quand même, il a dû faire d'autres jeux. Voilà, donc un très beau racer, très addictif, qui reste quand même, qui a permis, surtout, attention, la petite ambulance derrière nous, comme dans Monaco GP, attention aux flaques d'huile. Voilà, un jeu qui a certainement, un moteur qui a certainement inspiré beaucoup de jeux. Alors, est-ce qu'il a inspiré Pole Position d'Atari Namco? Je ne sais pas, parce qu'il me semble qu'il est sorti juste après. Je pense pas, hein, mais bon, ils étaient vraiment en concurrence directe. Voilà, donc c'est peut-être certainement le premier sprite scaler, super scaler de Sega. On est quand même en 80, hein, donc, mais on se souvient surtout des trois bornes dédiées, parce qu'il y avait quand même trois bornes. Donc on avait une toute petite borne, voilà, une mini cabinette toute mignonne, toute mimi, que j'avais dû voir en fait foraine, c'est celle-là que j'avais dû jouer. Plus tard j'ai connu la standard, qui était vraiment aussi très 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 jolie, voilà, avec cet affichage LED qui rappelle un peu les flippers high school. Moi j'adore, voilà, cet affichage LED sur les côtés, puis ça rappelle Monaco GP, vraiment très très belle borne. Et puis bien sûr le traditionnel cockpit, voilà, la grosse borne où on pouvait être vraiment en totale immersion devant son volant. Mais bon, voilà, une borne vraiment très 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 classe, très originale, avec cet écran vertical 20 pouces, voilà, qui nous donnait vraiment ce très très beau graphisme. J'ai pas fait mieux. On va mettre notre nom. Ouais, donc moi j'aimais bien aussi les petites jauges. On avait les petites jauges de température et d'huile de chaque côté du volant, qui s'allumaient le soir. Donc voilà, ça apportait pas mal de réalisme à la borne. Et puis ce shifter en bois, voilà, c'est ce levier de vitesse en bois qui était vraiment très très classe. Bref, on peut dire que ce turbo était révolutionnaire à son époque de par son immersion et puis sa technicité. Les graphismes, l'animation et les sons de cette petite borne Sega ont marqué à jamais le petit Runout que j'étais. Et ça, juste avant de tomber amoureux du travail de monsieur Yu Suzuki. Voilà les amis, merci de m'avoir suivi dans ce petit voyage dans le temps. Je vous dis à très bientôt pour un prochain Retro Gaming à Papa avec le bon vieux Runout. Salut ! Salut !